Et bienvenue dans le monde de Yas. Aujourd'hui, vous allez voir quelque chose d'assez sympathique. Et voilà, c'est là. On va visiter ça. Alors, c'est pas le ciel, ni les oiseaux, c'est ce château. C'est le château que vous avez, de temps en temps, vous pouvez apercevoir. Et vous pouvez apercevoir, non ? Je sais pas, moi, quand le Tour de France y passe, il le filme. Et nous apercevons là-bas, bien évidemment, les trois pucelles. Et comme d'habitude, vous savez qu'elles sont quatre. Le tremplin de Swarovski, il est toujours là-bas, il n'a pas bougé. Et. Ah, le Vercors. Voilà. Comme d'hab, hein. Vous savez, oulala, c'est beau. Voilà. Donc, petite balade sympathique. Hein. Et. Je vous fais visiter ce lieu qui date de il y a très longtemps. Je vous mettrai ça dans la vidéo, hein, avec tous les quotidiens adéquats. Évidemment, si tu le sens, fais un commentaire pour dire ce que tu as ressenti en voyant les chevaux là-bas. Je vais faire un petit zoom. Les tuches, partage ta passion. Ah, si t'aimes Kaamelott aussi, partage ta passion. Y a pas de soucis, hein. Ça fait plaisir. Voilà, c'est vrai que style, on peut venir ici avec ses potes. Je dirais, tiens, il y a un château. C'est un château. Un château. D'accord ? Bien. Pas que j'ai connu la révolution de ce. Ouais, on va passer, on va rentrer de manière classique. Oyez, oyez, braves gens, nous voilà. C'est Yas, dans le monde à Yas, là, tu vois, on est accueilli par un joli toutou. Ouais. Et voilà, tu vois. Bon, alors, bah voilà, c'est bon, là ils ont installé une scène, parce que je vais faire je vous ai pas dit, je vais vous faire un. Bon, ils ont installé une scène ici parce que moi, là, juste là, je vais faire mon one man show. Alors oui, c'est le premier, voilà, public et tout, machin. Et donc je vais faire mon one man show ici. Voilà. Je verrai, hein, peut-être on va filmer. Salut, ça c'est l'âne de bon repos, comme dans Shrek, c'est le même. C'est le même. Un petit coup de comme ça, peut-être juste pour plaisir d'offrir. Hop là, cheese. Alors, le château de Bon Repos et l'écurie. Il y a du vent, hein, vraiment, il y a du vent. Voilà, c'est vrai que là, je suis très content. Oh, à mon one man show qui va se dérouler ici. Voilà, le château de Bon Repos. Ah oui, il n'a pas de toit, miskin. Il n'a pas de toit, le pauvre. Histoire. On va faire un petit. Alors, l'histoire. Je reviens ici tout à l'heure avant de partir, comme ça je vous laisserai lire tranquillement. Je prendrai photo de ce qui est écrit. D'accord. Et comme ça vous pourrez lire tranquillement. Ouais. Alors, moi je pourrais l'appeler les photos. La photo du. Le château du. Bah, je ne peux pas. On peut pas dire 80. Dire 80, voilà. C'est un monument historique. Pardon, ah, mon doigt, zut. C'est un monument historique. Bah oui, quand même. Hein. Là, c'est point de rassemblement, cas de problème. Là. Alors, souvent, je parle de chemin de ronde. Voilà. Chemin de ronde permettait de surveiller les environs, d'accéder au chemin de ronde, pour pas décrire. On passe à la suite. Et là, nous allons voir quelque chose d'assez fabuleux. Regardez. Il y a une porte magique. Il y a une porte magique. Alors, ce qu'il y a de bien dans le château, c'est quoi?
Non, regarde. Il n'y a rien, il y a un donjon, oui. Mais si tu veux, en fait, si tu veux, pour faire fin, c'est un château vide. Il y a un souterrain. Comment ça, il y a un souterrain? Il y a des chaises. Ah oui, il y a des chaises en dessous. Il y a une salle de réunion occulte en dessous. J'aurais dû prendre la lampe. Il y a des chaises. Ils font des réunions chez eux aussi. Bon, et ben, c'était un coup d'épée dans l'eau. C'était un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'apparemment, le château. Oui! Ma chenille. Oh, c'est quoi ça? Oh, regarde, il y a quoi? C'est quoi ça? C'est la chèvre de l'enfer. Tu vois, okay, voilà. Ça craint, hein? Ça fait peur. Hein? Je vous jure, ça fait peur. Ça fait peur. Non, bon, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais, c'est fermé. C'est fermé. Fichtre, tu vois, on est à un jour pourtant où ça devrait être ouvert. C'est un jour. C'est peut-être l'heure. C'est peut-être l'heure à laquelle on. C'est peut-être l'heure. Ouais, ben écoute, c'est la vie. Pas grave, hein, on fera une vidéo numéro 2 où vous allez pouvoir savoir qu'à mon avis, il doit y avoir un site internet du château de Bon Repos. Oui, il y en a un, me semble-t-il. Et que, c'est vrai que ça fait très Game of Thrones avec les petits les corbeaux là. Bon, sauf qu'il fait trop beau, par contre. Ça fait très. Bref, je reprends. On fera une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo, d'accord? Je la fais celle-là, je la publie quand même. Au cas où si vous voulez vous rendre dans ce château, voilà, il doit y avoir des horaires. Moi, je savais qu'à l'intérieur, c'est un château, bah, c'est vide, hein. Bon, mais je savais même pas qu'il y avait des salles et qu'il y avait des réunions occultes à l'intérieur, parce que bon, dans le sous-sol, quand même, tu es dans un sous-sol d'un château. Qu'est-ce que tu fais comme genre de réunion? Je sais pas. Peut-être un truc sympathique. Hein? Je sais pas, hein, ça se trouve c'est juste l'association de je sais pas moi de tennis, de golf, l'association de golf du coin qui fait ces réunions-là. À propos, là, c'est à Jarry, hein. Ici on est à Jarry, donc nous sommes à Jarry. C'est pas une grande ville, je veux dire c'est pas Grenoble, hein. Mais bon, s'ils ont pu recycler, faire des salles de réunion en dessous, salles de projection, c'est super cool aussi. Donc le château à l'intérieur il est vide, comme on peut le voir. Après on regardera à l'intérieur nous. Je vais mettre un petit coup de pause pour faire 2-3 photos histoire d'eux. Et je reprends la suite tout de suite. Hein, vous vous apercevrez de rien. À suite. Voilà, il y a une grande cheminée. Là où le comte de Montmirail faisait sa cuisine. D'accord, hein, très grande cheminée, mais là, c'est un château. Hein. Bah, je suis dégoûté, on est déçu, hein, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je regarderai pour vous sur le site internet, pardon. Les horaires, hein, je vous mettre ça, tout ça dans la description, en commentaire. Vous savez, il y a des trucs chelous, hein, regarde, c'est quoi ça? C'est une main enveloppée dans un. Non, c'est des trucs chelous. Hein. Très occulte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cool. Ah, déconne un peu, faut. On rigole un peu, mais. Il faut rire, hein, dans la vie. Si tu rires, non, mais dans la vie, humour. Parce que si t'as de l'humour, tu vois. Je ferai une vidéo 2, histoire 2, simplement pour le principe, d'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas de la région, du secteur, je dirais simplement. Voilà, un petit zoom là-bas. On a de belles montagnes toujours ici, hein, dans le 38 à Isère. Hein. Donc voilà, ici c'est Jarry. C'était le château de Bon Repos. Bon repos à vous. Prenez soin de vous. Faites attention. Bientôt, à très vite dans le monde de Yas. Abonne-toi, like, commande, partage, vas-y. Si tu as des lieux que tu as envie d'explorer, bah vas-y, viens, pas de problème. On prépare ça, on le fait. Voilà, allez, ciao, 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 et petit loukoum. Prenez soin de vous. À très bientôt dans le monde de Yas qui est aussi le vôtre. Thank you.
passe à la vidéo.